Bonsoir tout le monde, je me présente, je suis Diane Beaulieu, je suis de l'atelier d'aquarelle de partage et ce soir, nous allons avoir une belle démonstration des connaissances de Mme Nicole Gélina qui est ici et elle nous a sorti des belles choses. Elle fait des recherches constamment sur tout ce qui est aquarelle. C'est une aquarelliste de base, là, vraiment, là, et puis elle aime tout ce qu'elle fait. Alors, on va aimer ça nous aussi. Bienvenue, Merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis bien contente d'être ici. Et qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui? C'est quoi ton projet que tu veux nous faire aujourd'hui? Alors, c'est plusieurs projets. Je vais me promener beaucoup parce que je vais parler de la supergranulation, la granulation, la sédimentation, la séparation des pigments, Et là là! mais tout ça d'une façon très joyeuse, Ah très oui! On agréable. est joyeuses toutes les Et deux, ça c'est pas sûr. trop scientifique. Ah bon, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut parce que tout le monde qui sont ici ce soir, on adore l'aquarelle. Oui. Ce qu'elle fait, l'aquarelle, le médium, il se mêle puis il fait des choses spéciales. Et la granulation, c'est une question, moi aussi, j'avais beaucoup. Comment améliorer la granulation et travailler sur la granulation? Là, tu nous as préparé quelque chose. Je Oui. pourrais peut-être. Est-ce que tu veux que je présente? Bon, je sais que. Là, je parle de... Ah Dans oui. la soirée. OK. Dans la soirée. Bien, c'est ce qu'André me disait. André est juste pas loin. C'est que l'atelier d'aquarelle de partage va nous faire des belles activités dans cette saison-ci. C'est la première activité. Et félicitations pour tout le monde pour être là. Et la prochaine, c'est. J'espère que tout le monde connaît M. Pierre Touga, le grand Pierre Touga. Et on va avoir un atelier en présentiel à Laval avec lui. C'est le 27 octobre. Vous irez sur notre site d'atelier d'aquarelle de partage.com et vous verrez, tout ce qu'il fait, c'est toujours magnifique. Alors, si ça vous tente de venir travailler avec nous sur place avec Pierre Touga et ses couleurs, et Oh, c'est notre maître. c'est notre grand maître, Oui. un gentleman. Oh, oui. Puis c'est toujours bien fait. Alors, ça, c'est pour Pierre Touga qui va nous faire. En novembre, on va avoir René Dion qui va nous faire une démonstration sur YouTube comme maintenant. Et puis en décembre, on va avoir Thomas Schaller qui maintenant est rendu à New York. Et c'est un très bon artiste. Ils vont nous faire un atelier de 2 jours, le 7 et le 9 décembre. Ça va être en virtuel. Ça va être en virtuel. Alors, je vous présente André parce qu'André va venir faire. On va intercommuniquer ensemble. Moi, je m'en vais sur YouTube. Si vous pouvez, vous avez des questions, là, vous faites clavarder. Clavarder, puis je vais aller voir votre clavardage. Puis je vais poser des questions à Nicole. Puis André, lui aussi, il va avoir des questions. Fait que je vous présente André. André est notre président. Alors, bonjour tout le monde. Alors, c'est ça, je n'ai plus grand-chose à dire. Tout a été dit. Alors, Nicole, elle va commencer son travail. Fait que je te laisse démarrer. Nicole, quand tu vas parler, à un moment donné, ça va être cette caméra. Sinon, quand tu vas travailler, ça va être l'autre. Alors, avant de commencer, je voudrais juste remercier l'atelier d'aquarelle de partage pour cette belle invitation. C'est ma première fois sur YouTube, alors il faut être un peu gentil avec moi. Je voulais juste dire qu'il y a à peu près 23 ans, j'ai assisté à ma première démonstration de Pierre Touga avec la joie de l'aquarelle. J'en faisais de l'aquarelle, je faisais de l'huile dans ce temps-là. J'étais assise, il faisait une scène de l'Espagne, une façade de maison. J'ai senti le soleil de l'Espagne. J'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai failli tomber en bas de ma chaise. Puis j'ai dit, mon Dieu, c'est donc bien beau. Pour moi, l'aquarelle que je voyais, c'était tout le temps pâle, 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 puis tout ça. À partir de là, j'ai commencé à faire de l'aquarelle sérieusement. J'ai même apporté mon livre, j'ai fait signer à M. Pierre Touga. Un livre De de lui. lui. C'est un être extraordinaire. Il nous a montré comment travailler. Il faut travailler fort, il faut travailler souvent, mais aussi il faut le faire dans la joie. Et puis, c'est juste ça que je voulais dire. C'est un honneur que vous allez l'avoir. Et c'est un monsieur qui est fidèle avec les gens qu'il rencontre. Alors, merci Ouais. beaucoup, Monsieur Touga. Aujourd'hui, je vais parler de la granulation. Et puis, tout ça est venu
d'un repas qu'on a eu avec René Dion, Lise de Maisonneuve, Ginette Marquis et celle qui a gagné un prix à votre exposition. Comment elle s'appelle? C'était René Dion. Non, non. Elle a gagné, elle avait fait une pivoine. C'est Janine? Janine Desmarais. Janine était là. Et là, j'ai commencé à parler de la super granulation de Schmincke. Alors, Schmincke, c'est une compagnie du Danemark qui fait... Et là, j'espère que je ne me trompe pas, parce que me semble que c'est marqué Schmincke.de. Donc, je pense que c'est le Danemark. Parce que ce n'est pas allemand. Et j'ai commencé à parler de ça en mangeant. Et là, on est venu tout énervé, toute la gang. Et là, René et Lise, ils ont dit, il faut que tu fasses un atelier sur ça. Il faut que tu en parles. C'est quoi cette affaire-là? Alors là, j'en parle. Donc, j'ai commandé des petits tubes. Ça vient dans des petites boîtes. Il y en a une série de 8. Attendez, il y a 5 fois 8. Il y en a 5 dans chaque petite boîte. Et il y a au moins 8 séries. Et c'est des petits tubes de 5 millilitres. Ils sont supposés être par thème. Il y a un thème de forêt, il y a beaucoup de vert. Il y a un thème de désert, c'est plutôt des couleurs chaudes. Et il y a un thème que moi j'affectionne beaucoup, c'est abyss, c'est de l'eau, c'est toutes des couleurs de bleuté. Et maintenant, on a aussi ce que je préfère, des tubes normaux de 15 millilitres. Et je trouve que c'est plus intéressant parce que moi, je fais pas partie de la maison Schmincke. Ils ne me payent pas pour faire ça. Pas encore. Mais, peut-être. Ça serait loin. Hein? Comme je dis à mes élèves, je suis en fin de carrière. J'aime les produits Schmincke. C'est les meilleures aquarelles avec Daniel Smith que moi j'aime, là, que j'aime beaucoup. C'est de la bonne qualité, tout ça. Mais c'est des pigments qui se ressemblent, qui reviennent. Alors, s'ils se ressemblent, j'achète la même chose 2-3 fois. Donc, je trouve ça plus intéressant d'acheter des tubes d'une couleur qu'on aime. Et c'est pour ça que j'ai fait un tableau un petit peu... Là, je le monte comme ça, André? On peut le montrer. Là, je vais enlever ma toile, puis je vais revenir un peu à ma toile plus tard. Alors, ici, on voit les couleurs que j'ai. C'est des couleurs qui sont pas étincelantes. C'est des couleurs un peu fauves, un peu grisonnantes. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils font deux couleurs, puis ils font de la granulation. La granulation... Ça veut dire qu'il y a deux pigments dans le même tube. André, puis... tu l'as l'affaire. OK, parce que j'ai utilisé un pigment déjà... Il y a clair de lune, c'est ça? Moonlight, oui. Mais je vais vous en parler de lui, ouais. C'est une autre affaire. Mais c'était le même principe. C'était le même principe, ouais. Sauf que Schmincke prend 2 à 3 pigments qui sont super granulants et ils vont faire une couleur. C'est là la magie que quand on prend une couleur, on attend un peu, je vais vous le montrer tantôt, puis whoops, elle change. Ça, c'est le même pigment. C'est le même pigment. Ça vient du même tube. Ça vient du même tube. Alors, c'est pour ça qu'on s'est bien énervé quand on a mangé ensemble, quand je leur ai parlé de ça. Mais le petit bémol, c'est qu'ils ne font pas tout autant de changements de couleur. Alors, si on regarde toutes, il y en a qui vont venir rosés, sont verts. Alors, dépendant de quel pigment qu'ils ont mis ensemble, ça fait un changement de couleur et la fameuse granulation qui est... Est-ce qu'on peut approcher ça de la caméra en haut, pour voir si on peut voir la granulation de peut-être celui-là qui granule le plus ou bien... Alors, le toundra, parce qu'ils ont toundra, lui, tu vois-tu, lui? Oui, je pense. Est-ce qu'on peut-être il devient comme rosé. Peut-être qu'on voit bien. On a aussi celui-là qu'on voit un petit peu plus, qui a du bleu. C'est un noir. Puis là, quand il se détache, ça devient bleu. Un peu comme le lunar bleu qui existe. Et
Tout ça, c'est deux ou trois pigments. Donc, il faut faire attention quand on peint avec ces pigments-là, que si vous rajoutez d'autres pigments, ça peut faire une aquarelle qui devient sale, moins transparente. Alors, il faut faire attention quand on les utilise. Je dois dire que les peintres que j'ai vus sur YouTube qui s'en servent font des aquarelles à partir de juste les schminkés super granulants. Et je trouve que c'est une erreur parce que là, on vient de mélanger 5-6 pigments et ça fait bizarre. C'est pas tellement joli. Je trouve que ça fait terne. C'est ça, ça ternit notre aquarelle. Alors que toi, tu utilises des pigments Daniel Smith que tu disais? Aussi. Aussi, et même des pigments normaux, là. Ouais. Tout se mélange ensemble. C'est des pigments qu'on retrouve partout, comme ils utilisent 11 pigments différents avec des couleurs différentes pour faire leur gamme de couleurs. Il y en a 40. Ici, j'en ai pas 40 parce que ça me coûte très cher, mais j'ai acheté des pigments qui sont intéressants, que j'ai trouvé intéressant, puis des fois, je trouve qu'ils se ressemblent un peu, mais c'est parce que j'ai des goûts, hein? On a tous des goûts, et ça fait des très, très beaux tableaux. Je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que j'ai fait avec ces pigments-là. Je vais tasser ça. Alors, je vais faire ça ce soir avec vous. On voit la granulation dans les pigments. On voit qu'il y a des petites particules un peu partout. C'est que la granulation, c'est la séparation des deux pigments. Il y en a un qui s'en va dans le fond du papier. Il y en a un qui reste sur le dessus. Vu qu'ils ne sont pas de la même couleur, ça fait des teintes différentes. Alors, moi, j'ai rajouté, pour donner un petit peu de pep, du turquoise, un cobalt turquoise très fort, assez pigmenté, pour donner une force à mon aquarelle. Alors, je pense qu'on voit un petit peu. Peux-tu me confirmer si c'est... Il y a un délai, là. Je vais le voir bientôt. Pour le moment, je ne le vois pas encore. D'après moi, ça va être correct. En fait, Moi, tu me prends, oui, on voit très bien. Alors, je pense qu'on voit bien la différence entre un pigment dit normal et un pigment qui granule comme ça. Quand tu dis le pigment se sépare en deux, il y en a une partie. Il y a deux pigments, c'est ça que je veux dire, dans le fond, André. Il y a deux pigments, puis il y en a toujours un qui est plus pesant que l'autre. Est-ce qu'il y en a un qui est plus. Donc, il y en a un qui flotte à la surface du papier, puis l'autre qui descend plus. Okay. Alors, c'est de la chimie. J'ai coulé mon cours de chimie avec deux points, avec 58. je traîne ça dans ma vie, là, je trouve ça très difficile, mais je l'ai dit. Il y a juste deux pigments, fait, c'est pas pire. Oui, c'est ça. Il y a deux pigments, puis c'est vraiment de la chimie, toutes ces couleurs-là. Ouais. Alors, la compagnie Schminke a fait ça parce que Daniel Smith avait été très fort avec leur pigment Primatec. Les Primatec, c'est des pigments minéraux que Daniel Smith a sortis il y a quelques années. Et ces pigments-là, j'en ai déjà parlé à un moment donné, c'est des pigments qui sont faits de pierres semi-précieuses ou du minerai, des roches, qui vont égrainer, en tout cas, ils ont une façon de le faire, et qui vont être très granuleux ou granulants. Parce que là, je viens de recevoir une revue française et eux autres, ils disent granulant. Ah. Et puis, j'ai entendu super granuleux. Tous les mots sont bons. Alors, on le voit, cette granulation, autant par Schminke que par Daniel Smith. Moi, j'ai des vieux tubes, mais ça, c'est un Daniel Smith. On voit que c'est un petit peu différent. Il s'appelle Améthyste, celui-là. Améthyste, c'est celui-là, ici, le petit violacé, grisé un peu. Alors, ça, c'est un pigment extraordinaire. Mais quand on le voit comme ça, il n'est pas super granuleux. Alors, c'est plus un pigment qui va être beaucoup moins fort qu'un carbazole violet ou qu'un violet minéral.
Mais il est tellement beau dans la nature parce qu'il fait vraiment très naturel. Alors, ceux qui font vraiment des vieilles planches, des vieilles bâtisses, la métisse est parfait pour ça. Et une de mes élèves, Lise, elle va se reconnaître, elle a fait pendant un cours trois portraits de ses petits-enfants et elle les a fait seulement avec des pigments minéraux comme ça. Et moi, j'avais dit avant, prenez pas ça pour faire des visages. C'est granuleux. Ça sera pas beau. Ouais. Ben, elle a fait ça. Elle a gagné un prix. Ah ouais. Alors, faut pas toujours écouter son professeur. Non. Alors, il faut toujours... sa petite voix à l'intérieur, là, est tellement importante. Son intuition. Et c'est ça que je veux faire ce soir. C'est, j'y vais pas d'une façon scientifique. Moi, j'ai décidé de vous montrer ces pigments-là à l'aide de plumes. Les autres artistes, ils défont avec des petites cases, puis de l'eau, pas de l'eau à sec. Moi, je trouve ça plat. Si j'ai trouvé ça plat en regardant sur une vidéo, j'ai dit, ils vont trouver ça plat. Puis ça, je n'aime pas ça. Alors, c'est pour ça que je me suis mis à faire des plumes. Ah, des plumes. Des vraies plumes, non? Des plumes d'oiseaux. Et ces plumes-là, ça fait longtemps que j'aime ça. Là, je vais vous montrer mon petit kit. Alors, j'ai des vraies plumes que je ramasse quand je me promène. Il y a aussi des plumes qui viennent des magasins 1$. Des plumes que j'ai de ma petite fille. Ils sont plus flyées un peu. J'ai une plume, celle-là, je l'ai trouvée cette semaine. Alors, c'est une plume. J'ai cherché sur Internet, c'est une plume de tourterelle triste. Oh. En la regardant comme ça, moi, je dis, ça doit être une plume de mésange, parce que j'aime beaucoup les oiseaux, puis on les attire chez nous. Mais j'ai été voir sur Internet, puis c'est plutôt une petite plume dans ses ailes. Alors, j'ai trouvé ça tellement beau, et j'ai remarqué, j'en ai trouvé un autre, j'espère qu'il en reste un petit peu, la petite tourterelle. Ils sont toutes différentes. Donc, j'ai trouvé que c'était quelque chose de vraiment amusant de s'amuser avec un petit peu les pigments qui sont granuleux en faisant des tests de couleurs avec des formes de plumes. Et vu que j'adore aussi les oiseaux et les petits nids, j'ai la chance d'avoir des élèves qui... On va le mettre ici. Alors, j'ai la chance d'avoir des élèves qui m'apportent des vrais nids. Au début, à peu près 15 ans, je faisais mes nids, puis je les déposais chez nous, puis je prenais des photos. Puis quand j'en ai reçu... puis que j'ai vu la beauté, j'ai dit, mon Dieu, c'est ça que je vais faire. Et je ramasse les petits œufs que je trouve dans la nature. Et ça, ça me remplit de joie. Alors, je me promène, puis je ramasse ça. Un petit truc, là, je déborde un peu. Des plumes d'oiseaux, ça a souvent des petites bobites. Alors, j'ai vu qu'on met ça dans un ziploc, dans le congélateur, une semaine. Puis il ouais, c'est ça. Alors, on peut jouer avec nos plumes. Ceux-là, ils ont été dans le congélateur. Ceux-là du magasin $, ça devrait être correct. Alors, ce soir, c'est ça que je vous ai préparé. Puis, je voudrais vous dire où on trouve ces pigments-là. Oui. Alors, les pigments... Je pourrais l'écrire. Les pigments... De toute façon, je te passerai ma feuille, Diane. On les trouve chez Dessert. Ah oui. Avec la pandémie, ils ont eu de la misère à en avoir plusieurs. Mais ils commencent à en avoir pas mal. Ils ont les pigments en gros tubes comme ça. Ils n'ont pas toutes, mais ils en ont quand même plusieurs. Puis un petit aparté. Tous les membres de l'atelier d'aquarelle de partage ont 10% de rabais sur tout ce qu'on achète chez Dessert. Bien, il faut aller là. Hein? Ben oui. Mais j'ai d'autres places, par exemple. Il y a HM aussi. HM n'a pas de ces pigments-là. Ah, malheureusement, ils n'en ont pas. Moi, je vous donne juste les endroits où j'ai fait venir, mais je suis contente que Dessert, parce qu'ils ont commencé vraiment juste avec une petite boîte, la première que j'ai fait venir, là, Abyss. Et après, je pense que ça a été comme un peu une révolution. Ils se sont tous vendus, puis il n'y en avait plus. Mais avec la pandémie, ils recommencent à faire leur inventaire. Il y a Peter Hall qui me dit que Schminke, c'est allemand. Ah, je ne sais pas pourquoi c'est DE à la fin. Schminke. 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 Oui. Dutch. C'est allemand. En anglais. C'est allemand. DE pour Dutch, peut-être. Puis Dutch, c'est hollandais. Non,
En tout cas. Mais oui. Moi, je l'ai trouvé aussi sur le site Jackson Art. J'ai pas fini. Ah oui, c'est correct. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, Tiens? Non? Mais, okay. C'est à Peter qui nous dit ça. Parfait. Alors, merci, Peter. Dessert, c'est toujours mon premier choix parce que c'est québécois. Ouais. Ensuite, je m'en vais en Alberta. Ça s'appelle Delta Art and Supply. Et eux autres aussi l'ont. Et ils ont beaucoup, ils ont les mêmes séries que Dessert. Et il y a Jackson Art qui vient d'Angleterre, qui eux en ont toutes les tubes. Les 40, les petites boîtes, toutes. Ils sont beaucoup moins chers, sont 10 $ de moins parce que c'est quand même dispendieux. Un tube comme ça, ça coûte à peu près 29-30 $. Sauf que moi, je dis toujours à mes élèves, on s'y partage. On a toutes des palettes avec les petits godets et on achète ensemble puis on les sépare tout simplement. Puis ça revient un petit peu moins cher. Et c'est pour ça que dans mes ateliers, j'en ai toujours comme deux pour les élèves qui n'ont pas à en acheter, pour les essayer. Alors, il y a trois places, et ça, c'est intéressant d'avoir au moins trois places et au maire de serre qui en ont maintenant. Alors, ça, c'était pour les tubes. Du Daniel Smith, on a ça pas mal partout maintenant. Et même chez H&M, il y en a aussi. Oui, tout le temps barré. Hein. Et là, j'en viens à la série. Ça, je vais faire mes exercices tantôt avec, mais je voudrais parler aussi des tubes qu'on a chez Daniel Smith qui font vraiment quelque chose de semblable. C'est le Lunar Violet qu'on trouve partout, qui est en fait le Noir de Mars. Son vrai nom, pour toutes les compagnies, c'est Noir de Mars, sauf que le plus granuleux, c'est le Lunar Black, le Lunar Noir de Daniel Smith. Et non, pas violet, tu as dit violet tantôt. Je me suis trompée. Et là, pour ça, André, c'est parce que là, je regardais, il vient dans plusieurs couleurs. La famille des lunars, il y a Lunar Earth, Lunar Black, Lunar Bleu, puis Lunar Violet. Et j'ai vu qu'il y avait aussi un Lunar Rouge. C'est le noir qui granule, effrayant. Et c'est le noir que Schminke a pris dans la moitié de ses mélanges. Alors, quand on a le Lunar Black, le Lunar Noir, on peut faire beaucoup de ces mélanges-là. Et c'est dans un atelier, je vais arriver avec des recettes. Comment on peut éviter d'acheter des tubes qui sont très chers? Ce que tu dis, c'est que dans un, par exemple, celui-ci de Schminke, je ne sais pas c'est lequel. Alors, celui, c'est du violet Tundra. Tundra. Il y a du Lunar Black. Mais là, tu as choisi le seul qui n'en avait pas, là. Ah! Je vais te... OK, mais de toute façon, ce que tu dis, c'est que dans beaucoup de ceux-là, il y a le pigment. Ça, c'est un seul pigment, Lunar Black. Un seul Black. Pigment, oui. Comme dans celui-là, ici. Et là. Puis, il y a deux pigments, dont un qui est le même que Lunar Black. Alors, lui, dans Noir Glacier, c'est du noir lunar avec du bleu outre-mer. La chose qu'on ne sait pas, c'est les quantités qu'ils vont mettre. Et des fois, ils font cuire, mettre à vapeur, faire ci, faire ça. On ne le sait pas exactement. La recette, c'est vraiment très, très caché puis tout ça. Mais en gros, il y en a plusieurs qu'on peut s'essayer. Et moi, c'est sûr que je m'essaye puis que j'en ai réussi quelques-uns, mais pas toutes. Regarde, c'est ici le Lunar Black. Regarde qu'est-ce qu'il fait. Ah, Lunar Black seul. Alors, regardez comment il granule. C'est ça de la granulation. Donc, j'ai une question. Est-ce que tu mets du granulateur en plus dedans? Ça, c'est une autre affaire que j'ai ici. Je demande peut-être. Oui. Alors, le granulateur, c'est quelque chose de complètement différent. Le granulateur, lui, il va faire granuler n'importe quelle couleur qui n'est pas nécessairement granulante.
Pour ça, j'ai fait un petit exercice que je vais vous montrer. Je commence à être mêlée un peu dans mes... Bon, voilà. Alors, je vais enlever ça ici. Puis, vous me direz si je vais trop vite, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur... C'est très bien. Oui, c'est très bien. Alors, ici, j'ai trois plumes. Alors, j'ai trois plumes qui ont été faites différemment. Alors, elle a été faite avec du sodalite, qui est une couleur de... Non, celle-là. Alors, c'est une couleur de Daniel Smith, qui est un bleuté, est ici, sodalite. Alors, c'est un gris bleuté. Alors, gris bleuté qui granule un peu. On peut le voir un petit peu. Tu le vois-tu, André? Ça granule. Alors, il y a une petite granulation qui se fait. Et j'ai marqué M sur M, c'est toujours mouillé sur mouillé pour avoir la meilleure granulation. Ah, ouais. On ne fait pas ça sur du sec. Non. D'accord? Parce que c'est l'eau qui déplace la granulation. Exactement. Ouais. Alors, il faut avoir la bonne quantité de pigments avec l'eau, mais il faut avoir quand même beaucoup d'eau. Avant d'aller à celle-là, ici, c'est ensuite mouillé sur mouillé, noir glacier que j'ai ici, avec bleu abysse. Bleu abysse, il vient dans mon petit kit. Il est ici. Bleu abysse est fait avec un turquoise dedans. Quand il sèche, il y a un peu de turquoise, mais on ne le voit pas beaucoup. Mais on le voit très peu sur ma plume. Il y a un petit peu de vert dans le milieu. Je ne sais pas si vous la voyez. Il y a une petite couleur qui ressort. C'est possible qu'on ne voit pas ces subtilités-là, mais oui, on voit ici, un peu de turquoise. Ouais, ouais. C'est pour vous montrer, ils sont quand même semblables, mais on voit bien la granulation est plus forte ici. On dirait, oui. Parce que c'est deux couleurs granulantes. Ah oui. La troisième, c'est avec notre granulation, notre médium granulation de Winsor & Newton. Alors là, j'ai mis du sodalite encore, plus encore du bleu outre-mer. Ces deux-là, c'est les mêmes couleurs. Ah, voyez-vous la différence? Comment tu mets ça? Ah. Ça, c'est la recette secrète. Non, c'est que je vous dis tout ce soir. Ah oui. Donc, celui-ci, c'est avec le granulateur, les mêmes pigments. Oui. Mais celui-ci, c'est... Avec de l'eau, tout simplement. Simplement de l'eau. Oui. Mais le résultat est complètement différent. Alors ça, c'est un exercice qu'on va faire, puis qui est facile à faire. On peut le faire avec notre Lunar Black. On peut le faire avec n'importe quelle couleur qu'on a de foncé. Il y en a qui ont noir de bougie, il y en a qui ont toutes sortes de noirs, noir d'ivoire, des choses comme ça. Et le bleu outre-mer, je ne pense pas qu'il y ait un aquarelliste sur Terre qui n'a pas bleu outre-mer. Hein? Alors, c'est pour ça que j'ai pris ces trois teintes-là. Mais j'ai trouvé une façon différente de me servir du granulateur. C'est qu'au lieu de le mettre dans une palette et de saucer mon pinceau dedans, c'est qu'on en met, je vais le faire tantôt, dans un petit bol, très peu, et je mélange ma couleur. Je mélange ma couleur dedans. Supposons que je voulais du noir. Je mélange avec du noir. De toute façon, je vais vous le montrer tantôt. Et ça augmente la granulation de 10 fois. J'étais vraiment surprise de voir le résultat. Alors, ça, on va le faire tantôt. Mais vous voyez quand même la différence dans tout ça. Donc, s'il y a une différence, ça vaut la peine de l'acheter. Ah oui. Parce que c'est bien plat si ça ne fait rien. Maintenant, je vais m'en aller à faire mes petites plumes. Je vais en faire quelques-unes devant vous. Alors, c'était ici. Alors, je me suis amusée à en faire un petit peu avant pour me pratiquer. C'est toutes des couleurs super granulantes. Celle-là, j'ai rajouté du doré. Y a-tu brillant dessus? Oui, j'ai mis du doré. C'est vraiment différent, là. J'aime ça un peu, ce que j'en ai ici. C'est les couleurs luminescentes de Daniel Smith. Ils ont trois sortes de doré. Alors, je trouvais ça intéressant d'avoir ça. Ici, c'est un autre que j'ai fait. Oui, tu peux. Et la grosse différence entre l'effet de granulation,
c'est le support. Un papier satiné ne granulera pas beaucoup. Sauf qu'avec les pigments de Schminke, ils vont quand même changer de couleur. Ici, j'ai ma petite plume sur un papier satiné. Alors, j'ai plusieurs couleurs qui sortent, mais j'ai seulement deux pigments dans ça. C'est là le plaisir de jouer avec les couleurs super granulantes. La même chose avec ma plume ici. Il est sorti plein de couleurs et j'arrêtais pas de jouer dedans. Et c'est vraiment jouer. C'est vraiment agréable. J'en mettais, j'en enlevais. Et là, il faut attendre un peu parce que l'aquarelliste est pressé. Ouais. Toujours pressé. C'est pour ça qu'on fait de l'aquarelle, on est des vides. Et là, il fallait que je... Wow, Nicole, calme-toi. Parce que là, je vois apparaître du vert. Je vois apparaître une espèce de sépia pâle. Mais c'est le bonheur. Parce c'est que tellement les beau. Plumes d'oiseaux, c'est ça. C'est toutes sortes de petites ouais. teintes comme mmh. ça. Mais on peut imaginer qu'on peut faire ça dans d'autres, d'autres ouais. sujets. Ce n'est pas juste les plumes. Mais quand là, tu disais oui. le support, là, oui. Ça, c'est du papier satiné. Oui. C'est pas hot press. Je ne m'en rappelle plus vraiment, André. Ouais. J'ai pris on appelle ça des chutes de papier, là, des morceaux de papier qui me restaient. Ouais. Alors. Mais c'est que c'est préférable d'avoir du papier satiné au papier, non. par exemple. Non, parce qu'on n'est pas habillé de la même couleur. Donc, les gens vont avoir des choix différents. Et c'est ça qui est le fun avec l'aquarelle, c'est que je vais vous donner tout le monde les deux mêmes couleurs. On va faire quelque chose de complètement différent. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'acheter un papier différent, sauf qu'un papier qui est très granuleux, comme mon papier du départ, il va avoir vraiment des encavures plus profondes, oui. les cavités, comme tu dis. Alors, lui, ça va paraître énormément. Mais il y a des gens qui n'aimeraient pas ça. Je ne sais pas si je faisais le portrait de Diane avec des encavures comme ça. Même moi, je n'aimerais pas ça. Vu de loin. On essaie de cacher. Là. Mais c'est pour vous dire que sur chaque papier, un 300 livres qui est rough, il va faire de la granulation énormément. Mais un satiné, ça va être délicat. Il va avoir le changement de couleur que fait les Schminke, que font pas les Daniel Smith, on va les voir. Ça veut dire qu'on peut... On ne sait jamais trop qu'est-ce qui va arriver. Puis ça, c'est le fun. Parce qu'on essaye de gérer l'eau, le pinceau puis l'aquarelle, puis ça ne veut pas. Mais ça, c'est encore pire. Ouais. Mais c'est le fun. On n'a pas... C'est compliqué, là. Mais pour ça, j'ai pris des plumes, qu'on peut prendre des paysages. Il y a des peintres qui travaillent juste avec le noir, le Lunar Black. J'espère que je vais dire son nom, je le mélange tout le temps. C'est Nicolas Lopez, qui est un aquarelliste qui travaille en noir et blanc, puis qui fait des goutures, là, un peu comme toi. Dégouillé. Oui. Il y a plein de façons de travailler les super granuleux, parce que je trouve que ça ajoute du mystère, de la magie. On ne sait pas trop qu'est-ce que l'aquarelliste a fait. Tandis que, je ne vais pas descendre les autres médiums, mais on met un bleu ultramer, bang, il est là. Il n'est pas granuleux, il est là. Nous autres, on peut faire de la magie. Des magiciens. Tout le monde, tous nos aquarellistes sont magiciens. Parce que, comme je te dis, on ferait tout le monde la même chose, puis ça va être différent tout le temps. Ouais. Parce que l'eau vient tout changer. Alors, pour un peu essayer les différents papiers. J'en ai apporté qui sont différents. Oui. Alors, c'est peut-être plus difficile de voir la texture, mais c'est mes restants de papier. Alors, j'utilisais, moi, beaucoup, c'est certain qu'il y a de l'Artistico, Fabriano Artistico Extra White, que j'aime encore beaucoup. J'utilisais aussi du 300 livres, mais peut-être pas tellement granuleux, sauf mon petit nid que j'ai fait. Et vous allez voir la différence des couleurs que j'ai dans ces couleurs-là de Schminke. Alors, pour ça, je vais sortir ma palette. Moi, je travaille croche.
Je vais la mettre sur le côté. Comme ça. On a pas. Et vous dire comment j'ai eu du fun à jouer là-dedans. Du gros fun. On va avoir le goût de s'amuser, nous autres. Oh! Tu sais, là, tu ne vois pas le temps passer. C'est merveilleux. Alors, pour travailler, moi, je travaille avec des pinceaux qui sont qui ont une belle forme. Ce n'est pas des pinceaux qui sont très chers. J'en parlais avec Diane la dernière fois. Mais ils ont une belle pointe. C'est des. Probablement, c'est la bébite, c'est la mère de. Mais pas de Kolinsky. Elle viendra d'une. Je pensais que c'était des points de l'écureuil. C'est ça, c'est sûrement ça, Diane. Oui, oui. Puis j'ai rien contre les gens de Radune. Hein, c'est. Jusqu'ici, on okay. On voit plus. Après. Alors, je vais remonter un petit peu tout ça. Alors, tiens, je vais donner un devoir à André. Ah, oui? Quelle couleur tu voudrais qu'on essaie en premier? Là? Tu l'as caché. Je l'ai caché. Ouais. C'est en ce moment, on a 36%. Bon. C'est bien. C'est bien. Mm-hmm. Ben, c'est moi qui ai choisi. Oui. Puis tu peux aller dans ça, j'en ai d'autres aussi. Oui, mais tiens, on va y aller avec le violet. Le violet, parfait. Alors, le violet toundra, il se trouve, je l'ai mis ici. Alors, c'est lui, c'est le même. Et tu vois déjà dans la couleur, elle est déjà séparée un petit peu. On voit du bleu, puis on voit un petit peu d'oranger. Alors, la technique pour avoir une bonne sédimentation, je vais prendre celle-là parce qu'elle a du bleu dedans. Je remets ça ici. Alors, il faut mettre beaucoup d'eau. Alors, je commence, puis j'installe mon eau. Alors, dans ces sujets-là, qui sont des exercices, il ne faut pas s'énerver, je ne mets pas de masque, rien. On y va, là. Et comme j'ai dit tantôt, il faut laisser le temps à la granulation d'agir. Là, je vais avoir une pointe un petit peu plus fine. Alors, je continue. Puis, on voit déjà un effet de granulation qui s'en vient. Regarde la petite couleur qui s'en vient. Vraiment, le bleu ressort beaucoup, là. Oui, mais tu vas voir, à la fin, il va avoir la petite couleur qui est un petit peu genre pêche. Ah, ben oui, on le voit, là. Oui. Ouais. Et ça, ben, on ne peut pas savoir où elle va arriver, quand elle va arriver, qu'est-ce qui va arriver avec elle. Et j'aime ça prendre mon petit traîneur pour faire les petites plumes fofolles en bas. Alors, je m'en viens. Bon, ça, c'était du bleu autrement. J'avais laissé ça. Alors, je fais mes petites affaires. Alors, ceux qui ne savent pas comment, là, c'est n'importe comment. Finalement. Des fois, on fait trop attention, hein. C'est dommage parce que je ne sais pas si les gens voient bien sur l'ordinateur. Parce qu'on voit vraiment ici sur place comment ça se fait. Peut-être juste mais un moment. Je le vois dans mon petit iPad, je ne le vois pas bien. Mais essayez-le chez vous, vous allez avoir du fun. Ici, on voit le, le beige, changement de couleur. À cet endroit-là. Vous l'essayez ici, est-ce qu'on vous montre? Essayez-le chez vous, là, ça vaut à peine. Ceux c'est qui ont avec le même pigment, là, finalement. Tu as juste une couleur là-dedans. Oui. Le même tube. Ça vient du même tube. Ça vient du même tube. Et puis, là, j'ai un papier qui est satiné. Alors, la granulation, ça veut dire que les couleurs qui se séparent se font moins. Oui, c'est ça. Hein? Mais c'est plus subtil. Oui, puis ça dépend des gens. Il y en a qui ne veulent pas avoir non plus quelque chose de très énorme. Là. Alors, je m'en viens faire l'autre côté. Donc, tu appliques de l'eau suffisamment, mais tu n'attends pas nécessairement qu'elle rentre dans le papier. Non, parce que sinon, ça va sécher trop vite. Alors là, je vais venir en mettre. Puis, je peux changer mon ratio un peu. Là. Je peux le faire plus pâle. C'est une plume. Et les plumes sont toutes différentes. Alors, je peux m'amuser à mettre un petit peu plus de foncé. Changer de pinceau.
Je prends un petit peu plus gros mon pinceau quand j'installe l'eau. Alors, cette couleur-là, c'est laquelle? Le violet toundra. Violet toundra de Schmincke. Oui, dans les super granulateurs. Alors, c'est une couleur que je voulais essayer parce que je n'avais pas la sélection des toundras. Et je trouvais qu'elle faisait vraiment un bel effet. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est violet. Je trouve que ça va avec tout le violet. On en retrouve partout dans la nature. Puis tant que c'est mouillé, je vais avoir mon effet de granulation. Et aussi le changement de teint. J'imagine que lorsque ça commence un peu à sécher, c'est un peu moins luisant, ça granule moins. Ou ça se sépare moins, ça se peut-tu? Oh là, c'est toute une colle, ça, tu me dis. Là. Je ne sais pas. Non? Non. Oh. Moi, qu'est-ce que je te dirais, c'est que quand ça va sécher, c'est là qu'on ne touche plus. Une aquarelle, tu touches quand c'est sec et quand c'est mouillé. Entre les deux, tu laisses aller. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais qu'est-ce que je fais, par contre, André, c'est que pour avoir une belle granulation, je prends un pinceau. Quand il est luisant comme ça, là, c'est parce qu'il y a de l'eau dedans. Hein? Il est très, très luisant. Et je viens rajouter des changements de couleur. Il va se passer des choses. Tant que c'est tu rajoutes mouillé. De l'eau dedans? C'était déjà mouillé. C'était déjà mouillé. C'est pas sec. Non. En rajoutant ça, ça va tasser la couleur. Ça va bouger la couleur. Ça fait bouger la couleur. Et qu'est-ce que j'aime faire beaucoup, c'est un petit peu l'éloigner pour que ça soit trop figé. Ça fait des couleurs fuyantes. Ça fuit plus que d'autres. Il y a des fois, il y a des couleurs qui fuient, puis il y a des couleurs qui fuient. Oui, sûrement. Sûrement. Mais dans celle-là, je ne peux pas dire qu'il fuit plus. Ah. Sauf qu'est-ce qui va arriver? Quand il y a beaucoup d'eau, on dirait quand ça vient dans les pâles, ça devient plus pêche. Ah oui, ça se sépare. Vu que la couleur est moins forte que le violet, elle vient après. Est-ce que la couleur, le violet est plus pesant? Oui. Puis le pâle est plus léger? Oui. Donc, c'est comme de la densité dans les pigments. Puis sûrement que dans leur mélange, il y a un peu de bleu. Outre-mer, il y a sûrement un autre pigment violacé et il y a le pigment rouge. Il y a un là-dedans. Hein? C'est assez révolutionnaire comme couleur parce qu'on peut s'amuser longtemps à faire juste des mélanges comme ça, sans rajouter de la couleur normale qu'on a. Avec un tube, tu peux faire bien des affaires. Oui. Peux-tu le remettre plus haut, qu'on puisse les voir, les gens? Oui, OK. Ça, c'est ma chose. OK. Je te laisse. C'est parce moi que... le caméraman. Ah oui. Pourquoi tu fais ça déjà? Ben non, il est assez bon. Les gens, quand vous regardez ça, vous l'essayerez et vous allez voir les effets que ça donne. C'est très intéressant. Fait que dans le fond, le tube peut-être coûte plus cher, mais tu as trois couleurs. Oui, deux ou trois couleurs. Et quand on en met deux ensemble, mais là, c'est... on vient de quadrupler. Ouais. Et moi, qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est de mettre une autre couleur qui fait partie de notre aquarelle, de nos couleurs qu'on aime, nous autres. Moi, j'aime beaucoup les turquoises. Alors, j'aime ça rajouter du turquoise dans qu'est-ce que je fais. Alors là, je te donne encore un choix d'une autre couleur. Oh, ben, j'aimerais aller dans des oranges ou des rouges. Est-ce que tu as quelque chose qui ressemble à ça? Ben, il y a un désert orange. Bon. Ça. Alors, J'ai ça, j'ai dans cette petite boîte-là, là, tu peux choisir n'importe quoi. J'ai le gris désert aussi. Gris désert. C'est beau comme teinte, hein? Orange désert. C'est quasiment dans la compagnie Sico, là, avec toutes leurs noms. Oui, puis c'est ça, les noms en français ne sont pas les mêmes que les noms en anglais. Parce que... Non, bien, désert, je pense qu'il est en français, en anglais, c'est pareil. Mais comme j'ai la boîte de Abyss, mais en anglais, c'est Deep Sea. Alors, c'est complètement différent. Là. Un abysse, c'est un trou très profond. C'est poétique. Oui, c'est ça. C'est poétique, c'est bien.
Mais c'est, des fois, c'est mêlant. Vous voyez, ma dipsy, puis c'est la... C'est pas celle-là. Alors là, je vais y aller avec... Tu m'avais dit que c'était orange, hein? Oui, c'est celui-ci. Ça, non, c'est bon. Orange désert. Ouais. Alors, on remonte. On enlève la bouteille. Et là, je recommence. Quand j'ai une grosse plume, je vais faire juste une partie à la fois. Parce qu'un autre de ses grands avantages, je peux remouiller, replacer, faire des relevés très, très facilement avec cette peinture-là. Là, le papier est différent. Oui, oui, ça va faire différent. Il est un petit peu plus texturé. Oui, c'est ça. Tu sais-tu quelle sorte, ça? Ça ressemble à Fabriano. Je pense que c'est un Fabriano. Artistico, peut-être. Oui. Avec des granulés. Alors, lui, on voit que même si j'en mets plus, il ne sera pas foncé. Alors, le nom de celle-là? Alors, ça, c'est orange désert. Ce n'est pas une couleur que je conseillerais. Savez-vous pourquoi? Elle ressemble beaucoup à du lunar qui granule beaucoup. Lunar Earth. OK. Que, c'est mieux? Bien, c'est parce qu'on va la regarder, là, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe. Elle granule. Mais tant qu'au changement de couleur, je ne vois pas tellement de changement de couleur. Elle va peut-être venir... Ça, c'était le choix d'André. Oui, c'est ça. J'aime ça, la granulation que ça fait. Elle en fait plus parce que mon papier est plus texturé. Plus texturé. Exactement. Alors, tu as l'effet texturé. Souvent, qu'est-ce que je vais faire pour aider une petite couleur qui a besoin d'aide? Celle-là, il y a juste une couleur, dans le fond. Je vois vraiment... Il y a peut-être un rose là-dedans. Oui, peut-être un rose. Mm. Mais je trouve que pour le prix, je ne m'achèterais pas un tube de 29 $ avec celle-là. Là, elle venait dans le petit kit, là. Ouais. Et c'est ça un petit peu que les gens, les artistes disent sur Internet, c'est que on achète des tubes, mais qu'on ne servira pas. Ouais, quand c'est un kit, mais faut qu'on on les essaye, c'est ça l'affaire. Oui, c'est pour ça que... T'es là pour ça, t'es là, t'es essayé pour nous. Mais c'est pour ça que la compagnie Daniel Smith fait les petites... les légendes, là, les petits pois. Mais Schminke fait la même chose. Ben oui, c'est une bonne idée. Ah. J'ai vu qu'il y a des places qui vendent 10 $ pour avoir les couleurs des petits pois de Schminke. Chez Jackson Art, en Angleterre, c'est 15 cents. Il y en a qui ont des passes, hein? On va se le faire faire. Mais c'est sûr que moi, ça venait dans un kit. Mais je vais le mélanger avec un gris désert. Ah, okay. Vu que c'est la même famille. Alors, on va aller voir qu'est-ce que ça fait. Vu que c'est encore mouillé. Alors, on va voir qu'est-ce que ça peut faire, ces deux-là. Là, je vais faire aller l'autre côté et je vais y aller gris désert de l'autre côté. J'ai mis de l'eau. Je vais revenir un peu avec mon petit... Alors, le gris désert a des airs de vert. Oui. Mais des petites plantes de désert qui sont... Mais c'est vraiment un gris. Moi, j'adore les gris aussi. Ça. Je trouve ça intéressant. Alors, ça doit être un oiseau qu'on n'a peut-être pas par ici. C'est un oiseau dans ta taille? Oui. Mais c'est ça qui est le fun, c'est parce que quand on fait des plumes, on peut vraiment faire n'importe quoi. C'est une bonne idée de faire des plumes pour essayer nos couleurs. Oui. Parce que ça nous donne, on ne fait pas des petits carrés pour faire des petits carrés. Ouais. Moi, j'aime ça faire des choses pour rien. J'aime ça faire un paquet de carrés. Oui, oui. J'ai tout le temps ça. Moi, il faut que j'aie du plaisir quand j'essaie quelque chose. Alors, je trouvais que des petites plumes, ils sont toutes différentes les unes des autres. On apprend sur les oiseaux quand on trouve enfin quel oiseau c'est. Puis en même temps, ben là, je découvre. Regardez le vert que ça vient faire ici. Je ne m'attendais pas à ça. On dirait qu'il y a un green gold qui vient de s'installer là. Peut-être le monter un petit peu. Attends, je vais juste finir. C'est pas fini, correct. Je vais juste finir mes petites folles. Wow.
C'est peut-être en comparaison avec beaucoup d'orangés. Oui, dans l'orange, il y a du jaune, tu as raison. Ça fait ressortir l'orange. Avec le orangé et vert. Et c'est ça qui est le fun avec, vas-y mon cher André. C'est ça qui est le fun avec ces couleurs-là. On va pouvoir le voir plus. Ceux qui ont des ordinateurs voient peut-être un peu mieux. Et si vous ne voyez pas, vous l'essayerez chez vous aussi. Amusez-vous. Oui. Alors, c'est ça. Il faut attendre, il faut regarder. Là, on dirait que ça traverse l'autre côté. J'en vois un petit peu de ce côté-là aussi. Je trouve ça magique. C'est vraiment de la magie. Ah, le petit vert s'en vient ici. Ça veut dire que la couleur comme plus faible arrive après. Après. Ah. Donc, il faut être patient. Oui, oui, oui. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Tu as essayé ça sur différentes sortes de... Oui, sur toutes sortes de choses. Je ne sais pas dans le temps si je devrais commencer d'autres choses. Là. Dans le temps, là, il reste une trois quarts d'heure. Il reste à peu près 45 minutes. Ben, on va aller dans d'autres choses. Dans d'autres choses, oui. Vas-y dans d'autres choses. Alors, premièrement, d'autres choses. J'ai préparé, comme je vous dis... On enlève des choses. Oui, on peut enlever nos plus. Alors, j'ai fait des plumes sur une toile normale. Oui, là, bien placée. Oui, là, j'apprends. Enfin, là, on commence à savoir. Alors, c'est des plumes que j'ai dessinées sur une toile normale. Alors, une toile pour acrylique ou l'huile. Et là, j'ai mis du fond léger à effet 3D. C'est un gesso pour l'aquarelle. C'est Golden qui fait ça. Et c'est un fond. Et c'est un fond, quand je vous dis épais, c'est très épais. Donc, c'est comme, Donc ça s'appelle? Alors, le nom, fond léger à effet 3D. Bon. Je vais le laisser comme ça. C'est vraiment très... C'est de la pâte. Ouais, puis il y a de la texture, hein? Tu vois des motons dedans. Ouais. Mais quand on y touche aussi, tu peux toucher, André. Quand tu touches, tu vois la texture que ça fait. Alors, je l'ai faite sur la toile pour vous montrer l'effet de granulation qu'on peut avoir. Alors ici, je vais travailler dans les bleus. Hervé, c'est ma caméra qui est passée. Alors, de toute façon, on comprend le principe. Ouais. Là, je vais travailler avec des couleurs un petit peu différentes parce que j'ai vu des belles plumes de jet bleu. Oh. Et je trouvais que la couleur était vraiment belle. Les jets bleus, ils ont des lignes dedans noires et on a des couleurs qui sont plutôt bleutées. Dans les un petit peu partout sur le restant de la plume. Alors, pour faire ça, je fais la même chose. Je vais partir d'un côté et je ne vais pas faire toute la plume parce que je ne me rappelle plus comment ça va absorber. Parce que c'est différent pour chaque support, l'absorption. Ouais, le papier, en principe, va absorber plus. Non? Exactement. Mais dépendant qu'est-ce que je mets. Alors là, je vais prendre... Noir abysse. Je ne sais pas si j'aurais dû faire ça. Non. Je vais commencer plutôt par le bleu. Alors, je vais aller chercher un bleu indigo abysse. Indigo abysse. J'ai mouillé. Et on va voir qu'est-ce que ça va faire. J'ai pris plus pâle parce que le noir est plus foncé. Donc, il va pouvoir passer par-dessus. Je n'aurai pas à le retravailler. Évidemment, le principe du pâle vers le foncé. Tout le temps. Tout le temps même. Tout ce qu'on fait à l'aquarelle, ça, c'est qu'on change de support. C'est toujours la même chose. Et là, on voit qu'il se passe des choses différentes. Voyez-vous la granulation? Qu'est-ce qui se fait ici, là? Ouais, peut-être que c'est difficile à voir. Oui, c'est subtil, c'est plus subtil. Ouais.
Ben, tu le montreras tantôt, plus proche de la caméra. C'est qu'il faut y laisser son temps. Oui, toujours le temps, regarde, tu vois, on prend le temps, ouais. Ça monte. Oui, parce qu'il va devenir un petit peu plus turquoise à mesure qu'il va sécher. Moi, je commence à le voir ici. Oui, c'est vrai. Alors, lui, il vient turquoise. Ça change tranquillement. C'est pour ça qu'il faut être patient. Dans le fond, on met notre pigment, on donne des coups de pinceau, puis ouais, après puis ça, on regarde. On regarde. Et je peux... Moi, qu'est-ce que j'aime, c'est d'aller en mettre encore. Mais là, je vais changer. Je vais aller mettre du turquoise abyss. On va aller travailler ça un petit peu. Ça, c'est une couleur, ça. Moi aussi, j'aime bien ça, Diane. Alors, c'est sûr, c'est pas comme le turquoise qu'on connaît, mais... J'aime beaucoup la petite boîte de Abyss. C'est la première que j'ai fait venir, mais c'est, comme je vous dis, c'est, ça dépend des gens, des couleurs qu'ils aiment. Si on n'aime pas trop les bleus, bien, c'est certain qu'on ne sera pas content. Qu'est-ce qui est le fun sur la toile? C'est que mes relevés sont encore plus faciles. Ce n'est pas des couleurs qui sont très teintantes. On t'entend, mais pas t'entendre. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, vous pouvez toujours clavarder. Hein. À regarder ce qui se passe, là. Il y a des couleurs qui se défont. J'ai comme un violet qui apparaît. Et vu que j'ai de la texture de ma pâte en dessous, ça fait des formes. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose de brillant là-dedans? Ou c'est l'eau? Non, c'est... C'est l'eau qui n'est pas sèche encore. C'est ça, peut-être. Je vais voir, mettre les dons vers la caméra un petit peu. Les gens veulent voir aussi le travail. Tu as mis ça avec un pinceau, toi. Oui. Oui, je prends un pinceau carré. Un gros pinceau carré. As-tu fait des lignes dedans? Ah oui, je fais n'importe comment. C'est ça. Le gesso, oui. Quand tu appliques le gesso. Oui. J'ai vu que c'est la compagnie Core. Core, c'est Golden, finalement. C'est Golden. Oui. On l'a montré tantôt. C'est une compagnie qui est encore très, très remarquable. Et elle va donner beaucoup de granulation. Puis, j'ai celle-là aussi qui est commencée. Je vais juste vous montrer. Sur un panneau de bois, alors, j'ai comme exercice aussi des petits nids. Et qui sont faciles à faire. D'habitude, je ne mets pas de masque. Mais pour aller plus vite aujourd'hui, je dis, je vais en mettre. Et, parce qu'on voit le bleu. Le bleu, c'est du liquide à masquer. Du liquide à masquer. Parce que là, je pensais que c'était un de tes turquoises. Non, bien, ça aurait pu avec tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Ben ça aurait pu, hein, t'as bien raison. Alors, je l'ai mis pour pouvoir me promener autour. Alors, ça, c'est juste une couleur. C'est une chance que... Mais ce qu'on me dit, quand Véronique est là, elle nous dit, c'est dommage qu'on ne voit pas l'effet de granulation. Ouais. Pourtant, on voit. Elle a dit, on va travailler fort, puis on va pratiquer chez nous. Alors, sur le bois... Oui. C'est ça, c'est juste une couleur que j'ai pris. Puis c'est ça, je voulais juste regarder en arrière parce que je marque tout ce que je fais en arrière. Alors, fond léger, golden, gesso, j'ai mis 4 couches. Oh, et c'est pour l'avoir parce que le bois, le panneau de bois, il est beaucoup plus lisse que la toile. Oui, le fini. Alors, je mets plus de couches. Parce qu'il absorbe peut-être? C'est dans sa texture. Ouais. Puis, tu sais, c'est toujours aussi qu'est-ce qu'on veut faire, mais je voulais vraiment avoir beaucoup de texture. Alors, je n'ai mis juste une, tandis que là, il y en a 4. Okay. Puis il y avait le blanc avant. Il y avait le gesso normal avant. J'ai mis 4 couches pour vraiment que la granulation ressorte beaucoup. Là, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est je cherche c'est quoi que j'ai mis. Et c'est là que j'arrive aussi. Je ne vous ai pas montré mes cahiers. Et c'est là que j'ai toutes mes réponses dans mes cahiers. Je trouve ça
vraiment essentiel, travailler dans des carnets d'aquarelle. J'en fais, il y en a peut-être un ou deux par année, et c'est là que je fais toutes mes découvertes. Je fais tous mes essais de couleurs. Et je marque tout ce que j'ai fait parce que c'est ça. Donc, c'est un papier d'aquarelle, ça? C'est un papier aquarelle qui il y en a beaucoup de sortes chez Omer de Serre. Il faut toujours prendre un 140 livres. Sinon, votre papier va gondoler. Puis ça ne sera pas intéressant. Ça, c'est un carnet que tu as trouvé chez Omer de Serre? Je l'ai trouvé. Je pense qu'il y en a encore, mais comme je vous ai dit, je prends ça aussi chez Co-op Zone à Québec. C'est la place la moins chère. Et puis, ils ont le même système. C'est 49 $, puis la livraison est gratuite en 2-3 jours. Et c'est les moins chers. Et je me promène d'un cahier à l'autre. Cette année, j'avais fini celui-là. Alors là, j'en ai commencé un autre. Ils ont toutes les grandeurs. Et l'aquarelliste est changeante. Ah, voyez-vous, j'ai fait un charlot avec la gamme de couleurs de Schminke. Alors ici, c'est un noir glacier que j'ai pris. Alors, on voit bien le bleu qui ressort dedans. Et j'ai rajouté des couleurs un peu plus pétantes, comme le rose opéra avec du orange. Vraiment, ça ressort. Hein? Ben, je voulais faire je voulais quand même avoir un style qui me ressemble, moi. Mais avec une subtilité que les couleurs de Schminke me donnent. Alors ça, je trouve ça intéressant. Et là, je pense que j'ai trouvé ce que j'avais pris. Je pense que c'est Désert brun ou celui-là, ou brun volcan. On va essayer. Oui, c'est celui-là. Alors, quand je travaille sur une surface qui est très granuleuse et sur du bois, c'est dur pour des pinceaux à poils naturels. Alors, je prends un pinceau à poils synthétiques. Là, je voulais vous montrer comment ça se remouille facilement pour continuer. Alors, j'ai juste à frotter et je vais reprendre mon aquarelle. Puis je vais pouvoir mettre ma couleur. Et là, on va voir la granulation. En espérant qu'on la voit. Et voyez-vous le rouge qui arrive tout de suite? Il sort beaucoup plus vite que sur le papier. Oui. Parce que quand tu l'as déposé, je pense, je me disais, elle n'a pas pris la bonne couleur. C'est pour ça que je vérifie tellement. Non, mais parce que c'était brun. C'était brun très foncé. Mais tu sais, il l'appelle brun volcan. Ouais. Ben, c'est brun, puis le volcan, il fait sa lave après. Alors, je pourrais travailler avec ce pigment-là seulement, mais je vais vous montrer ce que je fais après. Alors, je pense que dans ça, dans ce brun-là qu'ils ont pris, il y a un petit peu de noir de Mars ou le noir lunaire. Alors, je refais ma forme. Mais là, moi, je voudrais foncer un peu le centre parce que je vais vous montrer d'où je suis partie. Non, c'est dans mes dessins. Ils sont en quelque part. Ah, ils sont ici. Alors, j'ai mes dessins. Pendant que tu sors tes papiers. J'espère que vous voyez tout ce qui arrive ici. Une chance que j'ai des témoins. Oui, on est là. On a des preuves. On prend des photos. Ça devient flou quand on n'a pas. Oh, à un moment donné, quand tu ne bouges plus, ça devient. Je vais le mettre ici. Donc, c'est un ajustement. Bon. Quand je l'approchais de la caméra, ça bouge un peu. Mais quand j'arrête de bouger, ça focus. Ça s'ajuste, on va chercher le grain. Ouais. Faudrait améliorer notre caméra. En tout cas, on a des témoins. Ouais. Et là, je vais prendre le Lunar Black, qui n'est pas une couleur Schminke. C'est du Daniel Smith. Ah, okay. C'est celle qui granule le plus que je vous parlais. Et vu que je vois dans mes couleurs qu'il y en a mis, à force de faire des essais, je m'aperçois les couleurs qui ont pris un petit peu. Et je vais aller foncer un petit peu
le dedans de mon nid avec. Et là, c'est pour ça que j'ai mis. Là, je retombais avec un petit pinceau. Ça va être mieux. C'est pour ça que j'ai mis du masque. C'est pour pouvoir passer sur mes petits œufs. Et je trouve que ça donne un effet un petit peu plus moderne que les couleurs qui sont lisses, qu'on voit d'habitude. Là, ils vont faire toutes sortes de choses. Ils vont se répandre sans que je le veuille nécessairement partout. Et si vous regardez le Lunar Black, il y a une vie propre. Je le mets à un endroit, puis... Habituel. Ouais. Alors, c'est des métaux aussi hein, qui prennent comme pigment. Oui. Alors, c'est pour ça que ça se promène. Regardez quand je mets beaucoup d'eau. Puis, je peux passer par-dessus qu'est-ce que j'ai fait avec... J'en mets. Ça n'a pas fini de bouger, ça va continuer à bouger, ça va être l'eau. Exactement. Alors, j'ai mouillé énormément pour foncer, mais ça n'a pas changé trop la couleur que j'avais au départ. On voit l'autre couleur en dessous, là. Oui. Elle revient tout le temps. Alors, c'est une façon qui est différente de travailler, mais qui est repentante. On peut arranger notre aquarelle, enlever des choses. Ici, je pourrais dire, ah, ça, j'aime pas ça pantoute. Je l'enlève. Ah oui, c'est bien ça. C'est tellement agréable, ça. Le téléphone sonne, le pinceau revole. Pas grave. Pas grave, oui. Mais quand c'est sec, tu peux-tu quand même enlever de la même façon? Oui, parce que je l'ai fait au début. Regarde, ici, c'est sec, là. Alors, je vais frotter, André, puis regarde. Je la réactive. Sur une toile, sur un support comme ça, je peux faire ça. Sur le papier, ça rentre dans le sous-sol et ça reste là. Oui, ça je sais. Alors, c'est pour ça que moi, j'adore travailler sur des formats comme ça parce que j'adore le papier, mais c'est l'encadrement toujours qui vient tout dérégler. Notre travail, parce que quand on fait des expositions, c'est tellement cher qu'on ne peut pas faire. Moi, en tout cas, c'est pour ça que j'ai délaissé le papier complètement. Puis maintenant, à la Société canadienne d'aquarelle, on n'a plus besoin d'avoir... Du papier? Du papier. On peut encadrer avec comme j'ai fait avec la toile que j'ai faite. Là, je vais vous la remontrer. On peut maroufler aussi. On peut maroufler, mais je trouve que le marouflage... Moi, je suis une paresseuse. Et je trouve que le marouflage demande... Puis ça, je parlais avec Ginette Marquis puis René Dion. Je ne l'ai pas, moi, l'exactitude. Je regarde René, là. C'est net. Salut, René. C'est net, net, net. Elle est toute bien faite. Moi, là, des fois, je coupe tout croche. Puis tout le travail qu'on a fait se trouve fini. Et j'haïs ça. Tandis que sur un support comme ça... Et ça, c'est Lise de Maisonneuve, quand j'avais suivi le cours ici avec l'atelier d'aquarelle de partage, où on avait appris ça. Moi, ça a été une révélation. Comme la toile aquarellable Frédérics, c'est dans des cours qu'on découvre des choses, puis que ça vient nous chercher. Il y en a qui détestent ça, puis il y en a d'autres que c'est « Oh, c'est ça que je voulais! » Alors, c'est toujours des ateliers, des associations comme ça qui fait qu'on découvre des choses. Diane est venue à Joliette, à notre association, La Joie de l'aquarelle, et les gens ont été tellement charmés par ce que tu as fait. Ils ont aimé ça, tout ça. C'est des choses nouvelles, mais on apprend tout le temps. Alors, c'est pour ça qu'il faut se donner la peine d'essayer des nouvelles choses. Est-ce qu'il me reste du temps pour parler de mon autre toile? Oui. 20 minutes. Ouais. 20 minutes. Attends une minute. J'ai d'autres choses. Ah, j'ai tellement de choses à vous dire. Oui. C'est très que intéressant. J'aime ça faire... Excusez, là, j'aime ça faire couler aussi. Je vais juste mettre un petit peu d'eau.
faire des coulisses. Là, vous pensez, hey, elle a quasiment fini. Elle ne peut pas sécher, je n'ai pas apporté mon séchoir. On va la mettre là. Je vais reprendre, Diane, la toile. Et là, je vais vous dire, ça, c'est une toile finie pour moi. Alors, voyez-vous comment je peux passer de ça à ça ici? Tu as utilisé les pigments schminkés? J'ai utilisé les pigments schminkés pour mes papillons, mais pas tout seul. Alors, on peut les retrouver un petit peu, on les voit ici, qui sont granuleux. J'ai rajouté du green gold par-dessus, mais tous mes papillons, regardez, on voit bien la granulation puis le changement de couleur. Pourquoi je les ai mis à la fin? Ben, je venais de recevoir une autre boîte. Alors, il fallait que je les utilise, donc j'ai décidé de rajouter des papillons pour les faire. Mais ici, qu'est-ce que je voulais expliquer, en plus de mes couleurs schminkées, c'est que j'ai collé des papiers. Je ne sais pas si je dis raconter mon histoire. On a tout fait un peu de ménage pendant la pandémie. Dans mon atelier, j'ai retrouvé l'almanach 1912 de mon grand 1912 de mon grand-père. Elle est rendue sur ton tableau? Elle est rendue ici, sur cette page-là. Ça ne t'a pas fait mal au cœur? Du tout, parce que les pages n'avaient plein de détachés. Alors, je ne suis pas une bonne conservatrice de choses. Alors, je me suis dit, je vais l'intégrer à une toile. Puis, vu que je faisais 1912, j'ai cherché des sujets qui me ramenaient à cette époque-là. Et là, je trouvais que Charlot, c'était un peu dans ce temps-là. Il fallait que je trouve une façon de coller et de peindre par-dessus. Alors, j'ai trouvé la façon avec Daniel Smith, le Watercolor Ground transparent. Ça, là, c'est ma révélation 2020-2021. On en met partout. Je pourrais en mettre sur une toile normale et peindre à l'aquarelle par-dessus. Mais moi, je voulais ça transparent parce que je voulais garder l'effet de ma page en dessous. Alors, si je voulais ma page, qu'on la voit, il fallait que j'aie un médium qui accepte l'aquarelle. Et j'avais le problème que le collage se fait avec de l'acrylique. Il se fait avec un gel médium acrylique. Un gel médium, c'est plastique, ça n'accepte pas l'eau. Donc, il fallait que je mette ça par-dessus. J'en ai mis partout, mes feuilles étaient collées. Et c'est comme si j'avais une toile vierge, mais avec des collages. Et là, j'ai dessiné par-dessus tout ça. Et avec l'aquarelle, ben, je peux faire des transparences parce que de proche, on voit encore. C'est un théâtre français qui est là en arrière. Et on le voit encore partout. Ici, c'était... Moi, j'aime ça. En tout cas, aller chercher de la musique. Des partitions. Des partitions. Et la phrase qui est ici, c'est une phrase que... Une citation que faisait... Il y en a fait beaucoup des citations, Charlot, que j'ai écrit, que j'ai collé aussi. Alors, je partais avec un fond déjà... Et j'ai créé le reste par-dessus après. Grâce à ce médium-là qui... Grâce à celui-là. Et je revenais quand même à de l'aquarelle normale. J'ai même du bruchot. Ça, je pense que je l'ai enseigné ici, le bruchot que j'ai sorti. Et c'est là que j'ai travaillé, André, avec beaucoup de pigments épais. J'ai travaillé avec... Je cherche mes petites boîtes. Il y en a quelques-unes ici. Ouais. Mais est-ce que quand tu as mis ce médium-là par-dessus mon collage? Ah, ton collage, pas par-dessus l'aquarelle, parce que tu peux faire bouger l'aquarelle. Oui, ouais, l'aquarelle vient à la fin. OK. Non, pas celui-là, dans le chose en plastique. Alors, dans mes couleurs normales, celle-ci, j'ai plein de couleurs opaques. Alors, on a un cobalt vert. Tout ce qui est cobalt est opaque.
Alors, lui, il est opaque. Toutes les couleurs luminescentes, bleu électrique, sont opaques. Je peux les mettre par-dessus. J'ai le c'est bien écrit, est-ce que tu peux lire? Je te niaise. Ben, au moins, on voit... Un turquoise? Oui, c'est un cobalt, turquoise. C'est cobalt turquoise. Il y a plusieurs couleurs, cobalt, violet pâle. Et ça, c'est toutes sortes de marques que je prends. Et le beau turquoise ici, que je prends souvent. Et lui, c'est la compagnie PWC. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Je pense que c'est quelque chose. C'est une compagnie. Oh, il y en a quelques. Monsieur Peter Hall, dis-nous. Oui, Peter, dis-nous quelle couleur que c'est. Alors, ça, c'est plein de couleurs qui sont. Il y a le lavande aussi de Daniel Smith qui est opaque. Oui, ça, tu veux dire que tu mets des couleurs opaques par-dessus? Oui. Parce que tu veux cacher des fois ton. Je voulais avoir du foncé coloré. OK. Alors, des fois, je veux cacher, oui. Le noir. Je veux pas que ça soit transparent. Je veux pas que ça soit transparent. Okay. Je veux avoir toutes sortes de couleurs qui sont différentes. J'ai même acheté du bof titanium, qui est un beige. J'ai acheté du blanc aussi. Et la couleur qui fait l'oranger. Alors, ça, c'est du orange brillant de Holbein. Cette couleur-là, il faut la mettre épaisse. Ah. Pas diluée. Et elle reste comme ça. Je fais juste tapoter. C'est ah oh oui, c'est Holbein qui fait ça. Alors, toutes ces couleurs-là que vous ne voyez pas, là, c'est des couleurs aquarelles qui du rose opéra. J'en mets aussi, ça va faire des belles teintes. Et qui vont donner, moi, qu'est-ce que j'aime, c'est des couleurs pétantes. Fortes. Et moins transparente. À ce moment-là. Et moins transparente. Que pour moi, une œuvre devrait être transparente, opaque par des endroits, avec des contrastes de tous les côtés pour mettre ça en valeur, toute cette belle aquarelle-là. Alors, qu'est-ce que je trouve de passionnant avec l'aquarelle? C'est que j'ai bien plus de fun à faire de l'aquarelle comme ça que faire du mixed media avec de l'acrylique. Mmh. Parce que je reviens dans qu'est-ce que je connais. Et je ne peux pas faire ça à l'acrylique. Non, je ne peux pas faire ça. Alors, tous mes papillons sont super transparents grâce au schminqué et aux couleurs que j'ai d'habitude. Alors, j'ai pu faire les deux en même temps. Et les gens, ils ne savent pas. Mais ça ne nous fait rien qu'ils ne savent pas, qu'ils ne sachent pas. Nous autres, on l'a fait, puis on sait que c'est de l'aquarelle. Mais ça puis je me fiche que ça ne plaise pas à tout le monde. Mais moi, ça fait mon affaire, puis je suis dans l'aquarelle par-dessus la tête. Alors ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Alors, on voit aussi qu'il y a du blanc. C'est mon blanc que j'ai ici, le blanc de titane aquarelle. La question que les gens doivent se poser beaucoup plus, c'est qu'est-ce que tu fais après pour que justement l'aquarelle ne parte pas? Là? Tu mets un vernis? Bien, toutes les artistes qui vont maroufler, qui vont faire comme moi sur une toile, comme Lise de Maisonneuve sur ses beaux chevaux, on met du push-push, du vernis en vaporisateur. Moi, je prends celui, le Krylon, qui est fait pour, comment qu'il appelle ça? Archivage. Exactement. J'en mets trois couches, une heure entre chaque, et je mets à la fin du vernis acrylique Liquitex. Oui, c'est ça. On est pas mal tout pareil. Il y a la brillance. J'aime la brillance. C'est exactement. Je maroufle beaucoup de tableaux. Oui. Hein, puis je fais ça. Puis d'ailleurs, c'est René Dion qui m'a montré ça. Alors, le vernis brillant par la suite, ben, une couche, c'est pas trop brillant. Deux couches, c'est plus brillant. On prend ce qu'on veut. C'est ça. Puis dans mon cas, il fallait que je fasse attention parce que le papier avait une brillance que la toile n'avait pas. Ah, ouais. Alors, il faut que j'équilibre le tout, mais c'est très faisable et très facile. Et c'est ça qui est plaisant. Je vais vous dire que quand on se rencontre, René et moi, avec d'autres artistes, on parle, on a du fun, la passion est là. C'est extraordinaire et ça nous a tellement manqué pendant 2 ans. Ouais. Alors, c'est ça qu'on fait ce soir. Oui. Comme là, ici, Joanne Turcotte nous dit « Ah oui, Joanne. » Je pense que c'est hollandais. Bien,
Je ne sais pas si c'est hollandais, mais c'est Shehan, c'est certain. C'est Shehan, je pense que c'est hollandais. C'est le nom de la compagnie de... PwC, là? PwC. Ah, okay. On dirait que c'est des tuyaux en PVC, mais ce n'est pas ça. Mais Joanne, elle s'y connaît quand même pas mal. C'est une très bonne artiste aussi. Mais c'est ça. Je prends le meilleur dans tout. Je fais des expériences, mais ça me sert énormément dans qu'est-ce que je fais. Alors, ça, cette façon-là, probablement, si on a un atelier au printemps, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait à partir de mes toiles que j'ai commencées ici, qui vont devenir vraiment très, très colorées. Je commence comme ça, mais je vais travailler beaucoup plus coloré que ça. On va faire un atelier au mois de mai. Au mois de mai, au beau printemps. Je te disais simplement peut-être de parler un peu plus fort. Parce que le micro il est ici. Mais oui, c'est ça. Donc, oui, on peut en parler, là, qu'il y aura un atelier au printemps. Là. Oui. Et puis. Mais je ne ferai pas tout ça. Non, parce que ça va prendre une semaine. Bien, c'est ça. Mais on peut faire un atelier de 2 jours, peut-être. Parce que ça, c'est une chose. Je l'ai fait à Joliette, un atelier avec du collage, et les gens ont tellement aimé ça. Parce qu'imaginez. Vous avez un vieux livre de recettes de votre mère. Ouais. Il est tout défait. Vous prenez une page, vous l'immortalisez dans une œuvre d'art qui va être exposée. C'est extraordinaire, qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, j'ai immortalisé mon grand-père. C'est une bonne idée. Il y a toutes sortes de choses comme ça. J'ai une de mes élèves, elle a pris des photos de sa petite fille. Elle a collé ça. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire avec cette technique-là. Ça peut être de la musique, ça peut être des poèmes, ça peut être toutes sortes de choses. Et après, on part par-dessus. La même chose, là, je vous ai montré pas grand-chose de fini avec les beaux pigments. Mais si je remets ça ici, moi, je vais faire un atelier où je vous montre à faire des nids d'oiseaux avec des plumes, mais d'une façon... très, très facile. Parce que des gens, ils s'imaginent que c'est difficile de faire un nid d'oiseau. Mais ce n'est pas. J'ai trouvé des techniques très faciles dans le dessin. Quand je fais ça, je mets quasiment de la mine partout. Je prends une efface et la mie de pain. La mie de pain? La mie de pain. Tu connais la mie de pain? Oui, mais... Bon, la mie de pain... Je connais la mie de pain, là, mais... C'est-à-dire... Je pense que non. Les petites effaces que j'ai mis en efface mie de pain. Parce que moi, la mie de pain, c'est... C'est une mie de pain. Je la mange, moi. On a en quelque part. Ah, être ici. La mie de pain, c'est ça. C'est un petit rectangle qu'on achète. OK, je comprends. Puis, tu sais, t'effaces. Puis, tu peux faire des lignes dedans. Ça fait automatiquement. Puis, c'est facile après de reproduire ça avec notre aquarelle. Parce qu'on a tendance, moi j'ai eu tendance, parce que j'ai fait beaucoup de nids dans ma vie, et je trouvais, ils sont bien trop détaillés. Ah. On le sait que c'est détaillé un nid, je le vois là. Regardez, là, il y a beaucoup de choses. Mais on essaie de rendre ça plus lousse, plus fluide, tout ça. Et j'ai trouvé une façon, après avoir manqué mon coup pendant des jours et des jours, puis là, j'ai trouvé une façon de les faire beaucoup plus fluide, qui soit, c'est ça qu'on veut dans l'aquarelle, que ça coule bien. Puis là, j'ai rajouté des petites plumes ici, on peut en rajouter partout, et ça fait notre effet. J'en ai une autre, je pense que je vais commencer. Dans quelque part. Non, voilà. Excusez-moi. Ah, il y a là. Alors, voyez-vous, il est sur un papier, celui-là. Et puis, j'ai encore fait la même chose. J'ai mis mon masque. Et là, j'ai pris vraiment un papier qui était c'est un 300 livres rough, là. Très, très texturé. Alors, lui, je vais le commencer. J'ai une petite minute pour le faire. Alors, quelle couleur qu'on pourrait le partir? Turquoise.
Bon, on parle. Oh, je n'ai un beau qui s'appelle Bleu Forêt. Puis tu vas sûrement l'aimer. Ça alors, me fait plaisir. Alors, on met, pour commencer, je fais une petite partie. Alors, je mets de l'eau. Et on est à l'aquarelle, donc je peux commencer pâle. Puis je vais rajouter après. Alors, il a l'air vert, là. Oui, tout à fait. Mais il va changer, lui aussi. Tu ne nous as pas montré comment tu fais pour faire ton granule avec ton granulateur. Oh oui, c'est vrai. Je vais juste étirer ça. Je gâche peut-être ton affaire. Oui. Non, non, mais on va laisser sécher pour voir comment il va changer de couleur. Oui. Oh, j'avais un autre petit truc pour ça vous montrer. On attend tellement. On prend avoir 2 heures. C'est tellement... Ça, je vais le laisser un petit peu. Puis on peut bouger hein, notre aquarelle. Excusez, là. C'est bon qu'on voit ça. Je trouve que ça fait encore plus naturel. Là, on le voit qu'il granule énormément. Ah oui, je vais faire ça pendant ça. Là, je vais chercher mon autre aquarelle. Ça. 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 On va le faire pour celle-là. Alors, je mets un tout petit peu. Là, tu vas utiliser ton granulateur, c'est ouais, ça? Oui. Donc, tu en mets un petit peu. Un tout petit peu. 1 ou 2 millilitres, là, très peu. Oui, très peu. J'enlève la plume. Et là, je vais aller mettre une couleur, tu sais, qui est un petit peu genre pareil. On y va-tu avec le... Avec le... Il y en a d'autres en arrière. Ceux-là, c'est des hématites. C'est même pas un granulé. Lui, il ne fera pas deux. Oui, il va faire 2 couleurs. Ça, c'est hématite. C'est une couleur de Daniel Smith. Ce n'est pas un super granulateur, ça. Mais il fait 2 teintes. Alors, j'en prends et je le mets ici. Donc, au lieu de mettre de l'eau, tu mets du granulateur direct. Alors, là... Ça devrait faire tout un effet. Et c'est comme le reste, il faut que ça agisse. Mais déjà, regardez là, qu'est-ce qui se passe. Là, c'est vrai que ton papier il est très. Très torchon. Sauf que avec l'expérience que j'ai, c'est d'une rapidité là. Ouais, hein? Là, je vois les petits contours se former. Et toi, tu n'as pas besoin d'une aquarelle granulatrice pour faire ça. Parce que tu utilises ton granulateur. Oui, exactement. Là, j'ai pris une couleur, c'est ça. J'ai pris une couleur qui ne granulait pas, mais j'aurais pu prendre comme j'ai Outre-mer turquoise. Là, je ne peux pas le mettre dedans. Bon, on va essayer. Hein? Mélanger 2 couleurs. Ah, oui, donc. Oh, que c'est beau. Ah, là, là, elle est intense, cette couleur-là. Oui, ça, si ça vient du... Je vais y mettre un peu de noir dedans. Alors, elle n'est pas supposée de granuler. Ça, c'est hématite. Hématite, ça, c'est Outre-mer. Outre-mer. C'est quoi? OK, je vais marquer. C'est une très belle couleur. Et je l'ai mis dans cette palette-là parce que c'est une. Vu qu'elle vient du Outre-mer, elle granule, tandis que le phtalo turquoise ne granule pas. Ouais. J'aurais pu le prendre pour faire mon expérience ici, ça aurait été. C'est encore de quelle mieux. Compagnie? Daniel Smith. Alors, j'étire. Puis les lignes que j'ai là, c'est le sens des grains. Du nid. Parce le sens nid, des brindilles. Oui, ouais. Qui installe parce qu'il est vu d'en haut. Alors, même quand il est tout seul, il va granuler. Puis là, c'est de le voir agir. C'est ça qui est le fun. Alors, il a pris de la force. Dans le fond, si on veut faire des essais... Oui, c'est très d'actualité. Oui, oui, hein, Fiona est là. Fiona, Yann aussi. Yann, oui, ouais. Oui. Et puis tout ça. Donc, dans le fond, si on veut faire des essais sans trop, des essais pas dispendieux, mettons, là. Ouais. Si on veut s'essayer, voir ce que ça peut donner dans nos sujets, on peut acheter du granulateur
puis l'essayer. Puis là, à un moment donné, on aime ça, puis on dit, hey, on va acheter du schminke. Schminke. Moi, je commencerais par le schminke. Sais-tu pourquoi? Je pense que tous les artistes, ils ont ça en quelque part dans leur atelier. Ils ont ça. Toi, tu n'en as pas. Ah, il est encore mouillé, je ne peux pas l'enlever. Mais c'est parce que c'est plus beau hein, quand il pousse. Il n'y a pas de gomme raisin. Il y en a dessus. Mais ça fait un effet. L'autre petite chose que je voulais vous montrer, parce que c'est trop comique, j'ai vu ça sur YouTube. Attendez, là, je me cherche. Il est ici. Un aimant avec du hématite. C'est trop comique. Là, c'est juste pour le fun que je fais ça. Là. Je vais avoir des questions, mais je vais te dire, te poser tantôt. Alors, je mets mon hématite. Il doit être minéral. Non? Il est magnétique. Oh. Ah. C'est de l'hématite magnétique. Je prends ça, je le mets en dessous. Mets-les dans ton caméra. Avance-toi un peu. Tu vas-tu changer? Oh, attends une minute. Il faut mettre ça en haut, proche de la caméra. Il faut que je continue jusqu'à temps. De magie. Monte, rapproche-les. Ça, c'est digne de... Parce que il y a du métal dans les particules. Le métal se promène. Regarde ce que ça fait. Ça fait comme des poils de chat. C'est tellement comique. Puis pour savoir, c'est ça, si notre couleur, comme le lunar black, va faire la même chose. Ah, il est magnétique. Savoir, c'est que si on met un aimant dessus, ça, c'est le pot. Il n'y a pas. Ici, t'as bien raison. C'est vraiment quelques couleurs qui ont beaucoup de métal dedans. Tu mets, tu sais, il y a du papier ici, c'est pour ça. C'est là dessus de caméra. Alors. Oui. Alors que si on prend celui-ci. Ici, il est mélangé de plusieurs pigments. Ça ne veut pas dire qu'il y en a. Oui. Alors, vous regardez dans vos tubes. Ceux qui sont magnétiques. Ça, j'en revenais pas. Moi, ça fait au moins 20 ans, 25 ans que je fais de l'aquarelle. Ah, puis là, je tombe là-dessus. Ben voyons donc. Puis regardez qu'est-ce que ça fait. Tu veux-tu le montrer? Là, on le voit bien. Il me semble qu'on le voit très bien. Un petit délai. C'est très granuleux. Il y en a qui font des chats avec ça. Là, tu n'avais pas mis de granulateur là-dessus. Non. Je suis allée directement mon tube. Tu sais, je suis allée directement. Parlant de granulateur, il y a Jacinthe qui veut savoir, je ne connais pas le produit granulateur. Ah, est-ce que ce produit, c'est un produit d'aquarelle et à quel endroit on peut se procurer? L'endroit, mais il y en a chez H&M, chez Homère de Serre. Tous les magasins ont du granulateur. C'est de Winsor Newton. L'aquarelle? Oui, c'est juste pour l'aquarelle. On ne met pas ça dans ses céréales. On ne met pas ça avec l'acrylique non plus. C'est ça qui est le bonheur de l'aquarelle. C'est juste en aquarelle qu'on peut avoir des bizarreries comme ça avec les pigments qui nous font des choses extraordinaires. Il y a une compagnie. Winsor Newton. Ouais. Mais il y a aussi Schminke qui en fait du très bon. Donc, on choisit celle qui est moins chère. Ben oui. Toujours. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mon Dieu, c'est assez spécial. Alors là, on peut l'essayer sur beaucoup de choses, tu sais, pour voir qu'est-ce que ça donne. Mais ça fait, moi, je l'ai essayé sur plusieurs choses, puis des fois, ça fait comme du léopard, un effet, parce que la quantité de particules de métal dans chaque pigment est différente. Alors des fois, ça marche très fort. Des fois, ça fait des petits points. Puis là, on passe ça, là, qu'on a... En tout cas, je vais le montrer à mes petits-enfants. Ça fait que là, demain, on va se ramasser chez Daniel Smith avec un aimant. Puis qu'est-ce que vous cherchez? J'avais pas juste un instant. Ouvrez-moi ça, là. Débarrez-moi ça. Je vais regarder. Joanne ici qui nous dit que c'est de toute beauté, Nicole. Toujours aussi généreuse. Oh, c'est-tu ma Joanne Turcotte? J'ai Joanne Turcotte. Oh, ben, bon, bonjour, Joanne. Hein. C'est une... C'est plus une amie qu'une élève qui a un grand talent et une grande générosité. Écoute, merci beaucoup. Ça m'a fait un grand plaisir. Puis, entourée comme ça de vous deux, là, je me suis sentie tellement à l'aise. Ben, on est comme des amis. Un gros merci.
Bon, ben merci, c'est ça, ça fait plaisir. Nicole. C'est, comme on peut voir, il y a beaucoup, beaucoup de magie. De mystère, oui, de magie. Les mystères de l'aquarelle, c'est pas et juste les joies de l'aquarelle. Et de magnétisme. Ben oui, c'est ça. Le magnétisme en nous. Exactement. Alors, ben, on espère que ça a bien été pour vous à la maison. On est quand même, on fait nous aussi des expériences en direct comme ça. Là. On est installé, pour ceux qui reconnaissent le décor un peu, au Centre Action 50+. Et puis, ben, comme on l'a dit tantôt, Nicole va donner des ateliers, un atelier au moins avec nous. Au moins avec nous, mais ouais. T'en donnes un, là, je pense, prochainement. C'était très mêlant. Hein? Ouais. J'ai un automne qui est assez chargé. J'ai même refusé des endroits. Mais c'est ça, je vais en donner un le 22 octobre. Non, 29 octobre, excusez, ça a été changé. 29 octobre à Joliette, avec la joie de l'aquarelle. Et puis, c'est ça. Ici, ça va être au printemps. C'est ça. Avec le Pierrette qui nous dit merci, vraiment très intéressant. Carole qui me dit un grand merci et on se voit le 29. Carole, je le sais, c'est Carole Lampron, oui. Linda qui dit merci beaucoup pour ce partage, super. André nous dit merci, c'est très intéressant. Je pense qu'on va, on s'en va toutes dépenser demain. Oui. Mais un tube à la fois, on fait du chemin, c'est tellement agréable. Comme on disait, les membres de l'atelier d'aquarelle de partage ont 10% de rabais chez Dessert. Ça, Omer, ça, c'était dans le temps. Dans le temps, oui. Et chez HM aussi, là, mais les cheminqués ne sont pas chez HM, d'après ce que Nicole dit. Non, pas. Et puis, pour ce qui est de participer à son atelier au printemps prochain, vous allez voir ça en début d'année, là, peut-être au mois de décembre, mois de janvier, sur notre site web, comme d'habitude. N'hésitez pas à aller sur le site web, vous avez toutes les nouveautés. Puis aussi de vous abonner à notre page Facebook, le groupe Facebook, etc. Vous pouvez avoir toutes les informations de nos prochaines activités. Comme Diane le disait au début, la prochaine activité, c'est avec M. Pierre Touga en présentiel. N'hésitez pas, il reste encore de la place. Vous allez sur le site web pour vous inscrire. Vous savez que maintenant, vous pouvez payer directement sur le site web. Et puis, on va avoir M. Schaller en décembre. Puis, une autre, la prochaine activité en ligne, c'est avec René Dion. Qui est superbe, fine, intelligente, ben oui. Gentille, belle. Ouf, là, ça va coûter cher. Il va falloir qu'elle m'en remette. Hein? Oui, c'est ça. Lise nous dit bravo, c'est très beau. Claire nous dit merci, très intéressant. Ah bien, merci beaucoup. On va s'en aller vers nos pinceaux. Ah bien, tant mieux, c'est ça qui est le fun. Alors, merci à vous tous. Et puis, on se revoit prochainement. L'atelier. Oui. La vidéo va rester tout le temps. Oui, la vidéo de cette démonstration va rester en permanence là, sur notre page YouTube. Donc, non seulement 4 jours, comme on le mentionnait, mais parce que Nicole accepte de le laisser là. Pour elle, ben, c'est un... Pour elle et pour nous, c'est toujours très intéressant de revoir. C'est un exemple de sa générosité. Ben, merci beaucoup, ça me fait très, très plaisir. Merci, Nicole. Bonsoir.